Je vais demander peut-être à Malik de nous présenter la vidéo ou l'image. La vidéo de notre sœur, je pense quoi? Nous allons l'écouter d'abord avant d'apporter notre commentaire, chers téléspectatrices, téléspectateurs. Might say, why is it that African leaders haven't done anything about this deplorable situation? Well, let me tell you, my brother and sister, they have tried. Documented to this day, 22 coups where leaders were assassinated. France had something to do with it. The first seven, when they decided they were pulling out of the CFA and that they're going to print their own money, they were assassinated. Every time an African leader has tried to do what's best for their country, they were assassinated, majority of them aided by France. It's a known fact. And then others, they were just mercenaries who felt that when there was a natural resource discovered in one country, they wanted to create a coup. So while the country is thrown into a civil war, they're siphoning the natural resource. We know of one particular story that had we not known about it, it would have been, oh, there we go again, the Africans. In about 25 years ago, a group of young, rich, white kids were having fun in Cape Town. They found out that there was oil in Equatorial Guinea that just been discovered, and they wanted it. So they set out a plan to have a coup in Equatorial Guinea. So while the Guineans are busy fighting a civil war, they will be siphoning the oil. Merci, there were two planes. Je vais d'abord rendre hommage à notre honorable, son excellence, l'ambassadrice Kouaou, ambassadrice de l'IA, l'Union africaine auprès des Nations unies. Nous avons voulu faire une rubrique sur notre sœur Kouaou aujourd'hui, tout simplement parce que nous avons voulu lui rendre hommage. On a voulu rendre hommage à cette sœur, un hommage mérité, parce que nous avons appris avec stupéfaction la semaine passée que notre sœur, l'ambassadrice auprès de l'IA, auprès de l'ONU, a été limogée de son poste d'ambassadrice tout simplement à cause de cette vidéo que je vous ai présentée. Nous vous avons dit que dans la chronique de la semaine, nous ne parlons pas des choses imaginaires. Nous parlons des faits réels. Et donc, nous avons voulu que nos tempospectateurs et tempospectatrices écoute un peu ce qui s'est passé avant de pouvoir intervenir par rapport à l'hommage que nous voulons rendre à cette combattante, à cette héroïne de l'Afrique, à cette femme qui mérite respect de tous les Africains et je pense même de tout le monde entier. Les présidents de l'IA, de l'Afrique, ont pensé humilier cette sœur. Non, ils ont menti. Au contraire, ils viennent encore d'honorer notre sœur. Alors, qu'est-ce que la sœur a fait ou qu'est-ce qu'elle a dit pour mériter, n'est-ce pas, son limogeage par rapport à son poste? La dame, comme elle le disait, elle parle du retard criard que l'Afrique a accumulé. Elle parle du manque d'indépendance digne de ce nom de l'Afrique. Elle parle, n'est-ce pas, de l'exploitation de l'Afrique par des groupes néocolonialistes. Et elle nous dit que l'Afrique ne serait pas là où elle est aujourd'hui si après la colonisation, les colonisateurs, en l'occurrence la France, avaient voulu vraiment arrêter la colonisation. Elle nous dit que à chaque fois qu'un président africain essaie de trouver les moyens pour sortir du carcan colonialiste, il est assassiné par un coup d'État. Elle a parlé de nos illustres Sylvanus Olympio et beaucoup bien d'autres, Patrice Lumumba et bien d'autres,
qui ont été tout simplement assassinés par le colonisateur français ou par le biais de ces laquais africains. Elle nous dit que lorsque les présidents africains ont pensé à créer leur propre monnaie pour affirmer leur indépendance économique après l'indépendance politique, ils ont tout simplement été assassinés. Ce qui m'a rappelé la chanson de Bob Marley and the Wailers qui dit que every time I plant a seed, they say kill it before it grows. La chanson où il parlait, il disait que I shot the sheriff in self-defense. Cela me rappelle aussi la chanson d'Alpha Blondie, un autre grand frère, qui a dit why should black hero die so soon? Why should black hero die so soon? Why should they die so soon? Pourquoi les héros africains, les héros noirs doivent mourir si tôt? Oui, parce que tout simplement, ils sont assassinés. Nous vous disons que la colonisation n'était pas une rencontre qui s'est faite au hasard. C'était une rencontre qui a été orchestrée par des bandits voleurs qui avaient la kleptomanie et qui ont voulu envahir des terres étrangères afin, n'est-ce pas, de les piller. Le pillage, l'Afrique en a subi. Le pillage sur le plan humain à travers la traite des nègres. Le pillage sur le plan économique à travers tout ce qui se vole de nos matières premières. C'est un pillage systématique. C'est ce que notre sœur, l'ambassadrice Kourou, a voulu dénoncer. Mais curieusement, déjà au pot noir, au masque blanc, ces présidents africains indignes de nous représenter, ils ont osé limoger cette sœur. Ils ont osé franchir le Rubicon. Ils ont osé se couvrir de la honte en léchant les bottes d'un certain Emmanuel Macron. En léchant les bottes d'un certain gouvernement français. Parce que ils se sont trompés. Je salue d'ailleurs de passage l'urgence panafricaine. Je salue tous les panafricains qui luttent d'arrache-pied pour pouvoir redonner à l'Afrique sa liberté, son indépendance économique, politique, sociale, culturelle et que sais-je encore. Désormais, tout Africain digne de ce nom doit considérer l'ambassadrice Kouaou comme notre leader qui va désormais, n'est-ce pas, nous guider vers la terre promise. Elle a pris son courage à bras le corps. Elle a dénoncé le crime et les laquais des présidents africains ont trouvé qu'il faut punir celle-là qui est en train de faire le travail de tout le monde. Ne serait-ce qu'avoir le courage et la félicité dans les polices, ils ont franchi le Rubicon et ils vont nous trouver sur leur chemin. Désormais, tous ces chefs d'État, les 54 présidents, les chefs de gouvernement des pays africains, vous avez commis un crime grave. En limogeant cette femme, vous vous êtes tiré dans les pieds, des balles dans les pieds.
Parce que cela montre que vous n'êtes que des marionnettes. Des marionnettes que n'importe quel président, quel que soit son âge, pour qu'il soit blanc et français, vous vous soumettez et vous léchez ses bottes. Chers présidents africains, vous faites la honte de notre continent. Chers chefs d'État africains, vous avez fait que, entre-temps, on nous a traités, n'est-ce pas, de pays de merde. On s'était élevé contre ça. On a crié au scandale. On a tapé du poing sur la table. On a marché, on s'est rebellé, on est révolté, on s'est indigné. Mais finalement, nous sommes obligés de dire que quelque part, celui qui l'a dit, peut-être a bien mesuré ses mots. Moi, je n'ai jamais vu de continent qui accepte sa propre servitude. Je n'ai jamais vu de dirigeants des pays qui vont acheter leur propre esclavage parce qu'ils aiment le pouvoir. Il faut faire l'âme pour avoir le foin. Fin de citation. Alors, vous avez voulu humilier notre sœur. Elle a plus d'honneur que vous tous. Les 54 présidents réunis, cette dame a plus d'honneur que vous. En tout cas, aux yeux de nous, les fils d'Afrique, cette dame a plus d'honneur que vous, les 4 présidents qui ont avalisé cette forfaiture. Alors, je vous demande de vous ressaisir. Je vous demande de restituer à cette dame son droit. Je vous demande, n'est-ce pas, de lui retourner tout simplement son poste d'ambassadrice de l'IA auprès de l'ONU. Je pense que nous avons lancé une pétition qui continue de circuler, ou bien nous avons déjà atteint le seuil voulu. Et désormais, la responsabilité incombe au président de l'Union africaine de faire en sorte que cette injustice soit réparée dans les meilleurs délais. Nous ne négocions rien ici, c'est une exigence de la jeunesse africaine. C'est une exigence du peuple africain qui a tant souffert. C'est une exigence de tout le monde entier. Madame l'ambassadrice, Kouaou ne mérite pas ce que vous venez de faire. Elle ne mérite pas ça. Elle n'a pas dénoncé la justice. Elle a dénoncé l'injustice. Le vice-premier ministre italien l'a dénoncé. Pourquoi vous n'êtes pas allé limoger le vice-premier ministre italien? Les officiels allemands ont dénoncé la même chose. Le président américain Donald Trump a dénoncé cette exploitation de l'Afrique par ses puissances colonisatrices. Pourquoi vous n'avez pas demandé leur démission? Voilà. Si vous étiez garçon, il fallait oser. Mais vous ne pourrez jamais le faire. Alors, notre coup de gueule aujourd'hui est à double titre. D'abord, rendre hommage à notre sœur, à notre maman, pour sa bravoure. Elle a hissé à l'ordre des héros africains. Et quant à vous, c'est la responsable, n'est-ce pas, de cette décision. Je demande aux peuples africains de s'indigner à votre égard. Nous allons prendre une autre pause publicitaire et nous reviendrons pour la suite de notre émission. Je vous remercie.
The ringleader of that group was none other than the son of the former Prime Minister of the United Kingdom, Margaret Thatcher. She had to fly to Zimbabwe and paid handsomely to get her son out. The last one of those prisoners left Zimbabwe about 6-7 years ago. Had these young people succeeded, it would have been another coup. There you go, the Africans again. Such, my brothers and sisters, is the story of your Africa. They don't do coups anymore. They simply create instability. So when you hear of an instability in an African country, ask yourself, what is really going on? Because what they are telling you is really going on is just a shiny object. The real issue is over here. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Niawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Suivez Tempo Africa TV, la télévision des Africains, pour les Africains, par les Africains. Contactez-nous, tempoafriquetv.com. iptv.tempoafriquetv.com, téléphone 612-804-0295, email tempoafriquetv@gmail.com. Tempo Afrique TV, l'éveil de la conscience africaine.